La fin de l'année approche, le temps passe trop vite, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de l'année qui vient de s'écouler. Je suis insatisfait de ma vie. Et des questions arrivent en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Suis-je heureux? Où sont les belles résolutions que j'avais prises en début d'année? Est-ce que ces phrases ont une résonance pour vous? Bonjour, je suis Ludovic Bréhan, je suis entrepreneur et coach et je suis fondateur du mouvement Lançons-nous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème Je profite pleinement de ma vie. Alors, trois raisons créent cette sensation d'insatisfaction. Alors, peut-être, comme c'était le cas pour moi, votre mental s'agite dans tous les sens. Vous ne profitez pas pleinement de votre vie parce que vous n'êtes pas là. En fait, vous n'êtes pas présent. Alors, oui, le corps est là, est présent, mais pas votre tête qui est encombrée de nombreuses pensées. Peut-être que vous vous jugez sévèrement, peut-être que vous vous critiquez, vous vous sous-évaluez. Peut-être également que vous êtes très sensible au regard des autres, comme je l'étais. Alors je vous propose aujourd'hui quatre clés pour retrouver de la satisfaction dans votre vie. Première clé, revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Et pour ça, je vous propose de respirer profondément, d'utiliser la technique de la cohérence cardiaque. Donc on respire 5, on compte 5 à l'inspire, on bloque et on compte 5 à l'expire. Et en faisant ça plusieurs minutes par jour et plusieurs fois par jour, ça peut vraiment changer votre vie. Prenez conscience également de votre corps, de l'ancrage que vous avez. Par exemple, je sens mes pieds qui touchent le sol. Je prends conscience également de mon environnement, du soleil sur mon visage, de l'environnement, de tout l'environnement qui me concerne. Deuxième clé, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Donc arrêtez de ruminer, arrêtez vos pensées négatives et soyez plein de gratitude pour peut-être la famille que vous avez, votre conjoint, le toit que vous avez sur la tête, votre bonne santé, le beau temps qu'il fait, par exemple, le soleil qui brille. Troisième clé, ralentissez. Alors, peut-être éteignez votre portable après 19 h ou n'allumez pas la télévision le soir, ne consultez pas vos mails le week-end. Trouvez un moyen pour ralentir et pour vous déconnecter de la pression environnante. Dernière clé, retrouvez votre passion. Peut-être que votre passion, c'est la cuisine, la musique, le sport, le jardinage, la lecture. Peu importe, mais profitez de chaque instant et adonnez-vous pleinement à votre passion. Alors, l'exercice que je vous propose pour profiter à nouveau pleinement de votre vie, c'est de redécouvrir vos 5 plus grands rêves de vie, sans limite, sans vous limiter surtout. Alors, ça peut être un voyage au bout du monde, ça peut être devenir son propre patron, ça peut être apprendre une langue étrangère. Voilà, et préparez-vous à l'action et passez à l'action un pas après l'autre, étape par étape. C'était Ludovic Bréhan qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez nous suivre sur le blog lançons-nous.fr. Vous pouvez également le suivre et vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréhan. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.